Et salut les amis, c'est Linko et c'est parti pour un nouveau duel. Alors ce duel sera beaucoup plus compliqué que celui que vous voyez à l'instant en image. Mais avant de vous lancer ce duel, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er mai. Et ouais, ça approche, c'est bientôt la fin des premiers participants pour le concours. On va passer à la phase éliminatoire des quarts de finale bientôt. Donc tu peux encore toi aussi participer. Envoie-moi une vidéo avant le 1er mai, 2 minutes maxi au format paysage. Je rappelle que tous les participants ont une chance de gagner car il y aura un tirage au sort avec tous les participants dedans. Et bien sûr, le grand champion aura bien plus de lots. Alors si tu veux participer, on en reparle juste après. Et d'ailleurs, il y aura un nouveau sponsor qui va t'offrir 20 euros pour l'un des gagnants du tirage au sort de tous les participants et également 30 euros offerts aux gagnants. Il s'agit de Elegance. On en reparle juste après. D'ici là, bon combat à vous. Je vous laisse checker. Alors aujourd'hui, ce sera Chronos Fourmi qui est nouvelle chaîne. Je vous laisse le lien dans la description. Allez vous abonner. Et face à lui, ce sera Tonton Weedy. Let's go! Et salut à tous, c'est Chronos Fourmi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Mimosaur capitatus que j'ai attrapé au sud de l'Italie en octobre 2022. Cette colonie a environ 120 ouvrières et elle est chauffée grâce à un câble chauffant à une température de 27 degrés. Ici, on peut voir la reine qui est dans la même salle que le couvain et aussi deux greniers de graines. Ces graines-là sont les plus faciles à casser car elles sont les plus petites. C'est pour ça que je leur en donne. On peut aussi voir des agrandissements pour le futur développement de la colonie et aussi l'ADC. Maintenant, on va voir d'un peu plus proche la colonie et on peut aussi voir une petite ouvrière qui est née il n'y a pas longtemps. Comme les premières pentes ont été vers fin février, il y a déjà les premières nymphes de cette année qui sont apparues. Et les nymphes les plus sombres, c'est les larves qui ont passé la diapause qui se sont transformées. Cette année, j'ai déjà eu une dizaine de naissances. Malgré ça, je n'ai toujours pas de major, j'ai seulement des petits médias. Car l'année passée, j'allais chercher la nourriture dehors et parfois je ne trouvais pas. Cette année, je les ai nourris avec des blattes que j'ai achetées et maintenant on peut déjà voir des plus grosses nymphes. Ici, on peut voir 4 fourmis qui font du pain à fourmis grâce aux graines qu'elles ont récoltées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voter dans les commentaires pour moi. Et ciao ciao! Hello les foufous de fourmis. Donc voilà mon setup. C'est pas très esthétique, mais c'est pratique. Alors quel SP je vais vous montrer? Ça sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, endémique. Challenge accepted. Je relève le défi de Linko de présenter des Lasius. Si ça peut permettre de décomplexer d'autres qui hésitent, j'ai détourné un nid creusable, un jouet, en remplaçant le sable par du plâtre. Une ADC de fourmi home, de tubes, tuyaux de chez plastique. Je me tais pour vous laisser voir. Hey les sœurs, écoutez ça, il y a un mec chelou qui nous observe et nous filme. J'ai entendu qu'on allait passer à la télé. Sur YouTube, il a dit. Fais passer le message. Oui, sur YouTube, c'est Linko. Vite les filles, préparez-vous. Fais tourner l'info. Few moments later. Ah! Vite, rangez les chambres, rangez tout. On sera jamais prêtes. Hey, les sisters, pourquoi vous êtes speed comme ça? Pas la peine de stresser, relax, woman. Non, on n'a pas nettoyé les vitres. Laisse tomber, on n'a pas le temps. Pardon, chaud de bain. Voilà, je pense que tout est ok, on est prête.
pendant qu'elle range, moi je me fais belle. J'ai toujours rêvé d'être youtubeuse. C'est mon heure de gloire. D'abord, je vais faire des vues chez Linko. Ensuite, j'aurai ma chaîne, puis Insta, TikTok. Je suis même prête pour Hans Chat. Bon, bref, j'avais 2 minutes. Et voilà, il y a quelques années, j'ai ouvert YouTube, j'ai regardé une vidéo sur les fourmis, puis 2, puis 3. J'ai fermé l'ordi. J'ai rallumé l'ordi et YouTube m'a proposé d'autres vidéos de fourmis. J'ai regardé, j'ai kiffé. J'ai encore regardé, je me suis tâté. Je me suis dit pourquoi pas tester, j'ai réfléchi, j'ai hésité. J'ai trouvé des jeans, je me suis lancé. J'ai commencé doucement, j'avais pas de matos, j'ai commencé sans, puis j'en ai acheté. J'ai fait des erreurs, j'ai continué, j'ai appris et évolué encore. Maintenant, je suis 2 ans. En bref, je suis tombé dans la Myrmeco. Alors les gars, pas facile, hein? À vous de mettre un like dans le commentaire dédié à Tonton Weedy ou celui pour Chronos Fourmi. Celui qui aura le plus de likes passera au prochain tour en élimination directe. D'ici là, j'attends vos vidéos et encore merci à Elegance qui fait partie des nouveaux sponsors. Je rappelle qu'il y a également Antsenko, qu'il y a aussi Fourmiculture et qu'il y a aussi nos amis espagnols de chez VK Hormigueros. Alors venez participer, plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas d'aller checker les autres vidéos du concours pour mettre des likes à tout ce que vous voulez voir pour le prochain tour. Ça ne serait tardé, mais d'ici là, n'oubliez pas de participer. Vous avez jusqu'au 1er mai.